ne peux pas vous le dire parce qu'il n'existe pas. Ai-je le droit de parler la langue maternelle, ma langue maternelle, le Pula, comme je parle de l'être Wolof pour faire. C'est ça le problème. Moi je dis, il faut qu'il arrête. Parce que, à force d'insister, c'est lui qui stigmatise une ethnie. Et c'est ça qui est dangereux. On prenne un groupe ethnique, qu'on le stigmatise à longueur de journée. Mais pourquoi je diable, je ne dois pas parler Pula moi? Pourquoi? C'est ma langue maternelle. Donc il faut qu'on arrête le débat, ce débat. C'est un faux débat. En 2007, je rappelle, je reste le directeur de campagne. C'est lui qui me donnait le micro de Dagana à Madame. Il me dit, Bandirabe, donne le micro. Je fais la campagne pour lui. Moi, ce que j'ai dit à Madame, j'ai dit à mes parents de Madame, je suis venu en 2007 demander le soutien pour quelqu'un. J'étais son directeur de campagne. Vous l'avez élu. Maintenant, je viens à mon nom personnel et pour mon compte personnel. Je vous demande de me soutenir. Il me soutient et dit c'est de l'ennemi. Moi, je suis un élu à Fatick. Fatick m'a donné le plus grand score, plus que Madame. Et pour là, c'est une minorité là-bas. Donc, il faut arrêter ce débat. Il faut savoir perdre dans la dignité. Le Sénégal ne connaît pas ses problèmes ethniques. Il ne faut pas soulever des débats qui n'existent pas. Moi, je suis de culture sérère. Je suis né chez les sérères. J'ai une épouse sérère, donc mes enfants, au moins, à 50% sont sérères. Alors, il faut qu'on arrête cette histoire-là. Je les ai même vus parfois, pourtant, chanter en Pula pour draguer l'électorat en Pula, mais c'est leur problème. Ils sont libres. Quand on est en pays sensé, si je peux parler sensé, je leur parle leur langue. Parle au-delà leur langue si je le peux, si je le pouvais. Mais c'est ça le Sénégal, c'est la diversité. Moi, je m'oppose à l'uniformisation culturelle et linguistique. Il faut une expression plurielle. C'est ça la richesse au Sénégal. Il faut... Nous avons maintenant la chance d'avoir une langue dominante, c'est le Wolof. Et ça, c'est un atout. Parce qu'au moins, tout le monde se retrouve dans le Wolof. Mais qu'on ne dise pas que Keren doit voir l'aîné, au nom de quoi? Keren doit voir l'aîné. Le Bambara parle le Bambara, s'il le veut, le Poulard parle son Poulard. Ça ne doit pas gêner. Donc, nous nous baillons voir Djoyou. Et puis, ce n'est pas moi qui allais stigmatiser les chrétiens dans leur église. Ou créer la confusion entre les confréries au Sénégal. Ce n'est pas moi. Donc, moi, ni tout Djamala. Donc, et si je suis président, disposition Djoyou, attitude d'autres hommes qui réunissent.